Et yo tout le monde, c'est Okadjo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une nouvelle vidéo et la vidéo du jour se portera sur la marque Wuka. Donc pourquoi à l'heure d'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter de la marque Wuka? Tout simplement parce que je trouve qu'en France il n'y a pas eu énormément de vidéos qui ont été faites dessus, même si ça reste une marque qui est connue par tout le monde à l'heure d'aujourd'hui dans les plus gros amateurs de narguilé. C'est une marque qui a fait ses preuves depuis pas mal d'années à l'heure d'aujourd'hui. Mais si je peux vous apprendre toujours des choses supplémentaires sur un produit, sur une marque, je le fais avec grand plaisir, sachant que c'est une chicha qui me tient vraiment à cœur. Et pour ma part, ça vaut le coup qu'elle soit présentée. Donc, pour présenter cette Wuka Tenebris, je vais d'abord parler de la marque Wuka. Donc, il faut savoir que la marque Wuka est fabriquée en Pologne, que ce soit au niveau du bois, que ce soit au niveau des connecteurs, que ce soit au niveau du verre. On sait à l'heure d'aujourd'hui, dans le monde de la chicha, que les verres polonais sont d'une qualité qui est nettement remarquable. Les vases de chez Wuka, en tout cas, pèsent un certain poids et sont très très robustes au niveau des matériaux. Donc, pour parler de la marque Wuka en général, c'est une marque qui date de 2005, donc c'est pas de maintenant que c'est sorti. Wuka, ils ont une certaine expérience dans le métier, donc c'était deux étudiants, pour la petite histoire, c'était deux étudiants qui ne savaient pas quoi faire entre guillemets de leur vie, et ils étaient passionnés comme tout le monde, enfin comme toutes les personnes qui regardent mes vidéos, étaient passionnés donc par la chicha. Donc ils se sont lancés pour objectif de créer leur marque sans forcément prétendre à faire de l'innovation. Par exemple, je prends un exemple, la marque Stimulation est très forte pour l'innovation, ils nous inventent à chaque fois des nouveaux processus, des nouveaux petits facteurs qui font que la session va être différente, etc. Ils essayent de se démarquer par rapport à ce qui se fait déjà dans le monde de la chicha. Wuka, ça n'a pas été leur objectif, ça a été de travailler avec des matériaux nobles et faire des chichas en bois, ça a été entre guillemets l'identité de la marque, de concevoir des produits sur ces deux facteurs là. Donc l'entreprise a commencé en 2005 et c'est en 2015, si je dis pas de bêtises, au salon de Francfort, si je dis pas de bêtises, où la marque a vraiment eu son coup de boom, où entre guillemets elle a connu cette petite notoriété qu'elle a à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait à l'heure d'aujourd'hui, depuis 5 ans, 6 ans, que la marque Wuka, ça reste une incontournable dans le monde de la chicha, et c'est pour ma part une pièce à avoir dans la collection. Donc pour rentrer directement dans le vif du sujet à propos de l'analyse technique au niveau donc de cette chicha, là à l'heure d'aujourd'hui je fume sur la Wuka Tenebris. Donc la Wuka Tenebris coûte dans les alentours de 300 euros. Pour parler au niveau des prix de la marque Wuka, ça commence dans les alentours de 280 pour les éditions bois classiques. Donc vous allez avoir quelques photos qui vont apparaître à gauche, à droite, etc. Donc ça va jouer au niveau de la teinte des bois et de la qualité des bois. Là, je fume sur le modèle Tenebris. Donc c'est un modèle qui est dans les alentours de 300 euros, qui coûte un peu plus cher parce qu'au niveau de la teinte de la Tenebris, c'est plusieurs bois qui ont été utilisés pour créer des nuances de bois différentes et avoir quelques reliefs. Ça me fait penser à un genre de petit camo au niveau donc de la colonne, ce que je trouve très joli. Et après vous avez des éditions, par exemple comme les Grooms, ils sont dans les alentours de 500-600 euros. C'est un processus qui est assez différent. Je vais vous mettre en référence la vidéo de Jix, il l'a en sa possession et c'est pour ça que je suis tombé amoureux fou de la marque Wuka. Il va vous expliquer brièvement, en fait c'est comme des genres de racines en fait qui sont faits au niveau du bois, c'est grâce à l'électricité. Il y a un processus un petit peu compliqué, Jix il explique très très bien dans sa vidéo. En fait c'est trempé dans de l'eau et il va y avoir en fait des courants électriques qui vont passer dans l'eau, et ce qui va faire qu'en fait le bois va avoir comme des petits reliefs électriques creusés directement dans le bois, un peu brûlé, et tout ça ça a été retravaillé avec du vernis, etc. Donc c'est pour ça que ça coûte dans les alentours de 400 à 600 euros en fonction des vases, parce que également Wuka propose des vases full bois et vous avez encore des versions qui sont bien bien plus chères, dans les alentours de 1200 euros, qui sont en 24 carats. Donc c'est pour ça que c'est aussi cher. Donc pour avoir fait cette petite aparté au niveau des prix, etc., vous commencez à comprendre que la marque Wuka, c'est pas des pièces qui sont usinées, etc., de façon parfaite et en grosse série. C'est vraiment plus des modèles qui sont conçus à la main pour une grosse partie, un gros pourcentage de la totalité de la chicha. Donc c'est pour ça, par la force des choses, que c'est un modèle qui coûte assez cher, qui commence entre 280 et qui finit dans les alentours de 1200 euros. Donc pour parler des caractéristiques techniques et physiques et mon appréciation sur cette chicha, on est sur un modèle qui fait 64 cm donc au niveau de la taille. Donc c'est pas du tout un modèle que je vais vous recommander en tant que modèle de transport, tout simplement parce que c'est encombrant, c'est assez grand, c'est vraiment une chicha qui est réservée pour le salon. Et au niveau du bois, je vous déconseille fortement de la mettre dans un sac avec plein de connecteurs, etc. Ça pourrait endommager le bois. Si vous allez mettre un POC au niveau du bois, ça va être assez compliqué pour le rattraper, ça sera pas une simple griffe. Donc rien que pour ça, je ne vous conseille pas de la prendre en chicha de transport. C'est vraiment une chicha de luxe, une belle pièce de salon. Donc s'il vous plaît, prenez-en soin. Donc pour parler des caractéristiques techniques, on se retrouve donc sur une colonne en bois. Je vous ai débriefé tout à l'heure dessus avec différentes teintes de bois, en tout cas pour le modèle Tenebris. Vous avez des colonnes et des connecteurs en acier inoxydable qui sont de très très bonne facture. Et au niveau du vase, on se retrouve sur un vase en cristal. C'est pour ça que la chicha pèse
assez lourd. On est dans un retour à vue d'œil comme ça, 5-6 kg. À vide, avec l'eau, ça doit peser à peu près 7-8 kg. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas un modèle de transport. Donc, pour faire une petite aparté au niveau donc, des accessoires qui sont disponibles chez Wuka, car comme vous le savez, les chichas Wuka sont fournis nus, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de silicone, de ressort, de manche, de foyer, de système de chauffe, enfin bref, ce que vous voulez. Vous recevez la chicha avec la soupape, le connecteur. C'est tout, vous n'allez rien avoir d'accessoire. De toute façon, à partir du moment où on commence à taper dans des chichas qui sont de plus en plus chers, généralement, vous avez déjà de quoi fumer à la maison. Donc, c'est pas forcément non plus un modèle que je vais vous recommander en première chicha parce que va falloir acheter tous les équipements à part et je pense que ça peut revenir relativement cher. Donc, au niveau des équipements Wuka qui sont fournis, vous allez avoir des silicones en cuir donc, qui sont cousus directement à la main. À l'intérieur, en fait, vous allez avoir un silicone standard qui va être revêtu en fait d'un cuir qui a été cousu à la main, etc. Donc, c'est une très jolie pièce aussi à avoir pour l'accorder avec la Wuka. Moi, je me suis pas pris la tête, j'ai utilisé un silicone classique soft touch en sorte d'imprimé bois, ce qui rend la chicha et la composition très très jolie. Après, c'est à vous de voir si vous voulez vous faire un petit plaisir. Vous avez également de disponibles. Les manches en bois, pareil, c'est du vrai bois qui a été utilisé, retravaillé pour être accordé avec la chicha selon le modèle que vous allez prendre. Vous avez différentes teintes de bois qui sont disponibles et vous allez avoir différents motifs qui sont également disponibles au niveau des manches en bois chez Wuka. Donc pour également parler donc de ce modèle, moi je me retrouve sur les dernières séries de chez Wuka. Pour les plus anciens d'entre nous qui regardent encore mes vidéos, etc. et qui ont une certaine culture au niveau de la chicha et qui ont connu Wuka bien avant ce que c'est là maintenant. Avant, Wuka en fait ne pensait pas en fait à faire des connecteurs comme ça directement intégrés ou un 18-8, etc. C'était vraiment du standard, c'était un connecteur classique que vous pouvez retrouver sur des Célestes, etc. où vous mettez un joint et au niveau, si je dis pas de bêtises, de la soupape, c'était une soupape qui était vissée. Et la différence aussi également, c'était qu'au niveau des plongeurs, si je dis pas de bêtises, s'il y a des personnes qui peuvent me le confirmer, il me semble que les Wuka sur les premières éditions avaient un plongeur plus long pour rendre encore un tirage qui était nettement plus intéressant, même si le tirage me convient totalement parfaitement. Donc pour parler de l'essence même de la marque, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens qui achètent une Wuka l'achètent pour l'esthétique également, mais surtout dans un premier temps, c'est pour le tirage. Comme vous pouvez voir, c'est une chicha qui ne possède absolument pas de diffuseur et c'est vraiment quelque chose qui me fait saigner des yeux de voir des gens qui mettent un diffuseur sur une Wuka. Il faut vraiment garder son tirage d'origine. C'est vraiment ça qui fait le charme de cette chicha. Donc comme pour parler du tirage, on se retrouve donc sur un tirage Wuka. Vous êtes sur un tirage à remous, un tirage pour ma part qui est mi-lourd. J'ai connu des tirages qui étaient beaucoup plus lourds, vraiment des grosses tradis qui ont un tirage très compliqué. Là, c'est un tirage pour moi qui me convient parfaitement. Ça a du remous, mais c'est pas hyper compliqué à tirer. Et le gros point qui est positif au niveau donc de cette chicha, c'est que par rapport à l'agencement du vase et par rapport à la taille du plongeur qui descend quand même malgré tout assez bas dans le vase, vous pouvez donc jouer avec votre niveau d'eau, donc ce qui rend très très intéressant le tirage pour les gars qui aiment bien les tirages semi-lourds, voire lourds pour certaines personnes. Je sais que c'est une chicha qui va pas s'adresser à tout le monde, rien qu'au niveau du prix et au niveau du tirage. Mais pour les amateurs de gens comme moi qui kiffent fumer sur des tirages lourds, c'est vraiment un tirage que je regrette pas du tout et que j'adore fumer dessus au quotidien. Donc pour parler des points positifs et négatifs au niveau donc de ce modèle, on va commencer par le prix. C'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de discuter parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on va rentrer et je vais vous présenter de plus en plus de modèles qui vont coûter un bras. La passion par la force des choses nous fait dépenser beaucoup d'argent. Quand on est passionné, on a envie d'avoir de jolies pièces à la maison. Et j'ai envie de dire, la définition du prix va être cher pour telle ou telle personne. Une chicha aujourd'hui qui est à 100 € peut être cher pour une personne. Et une chicha dans les alentours de 300-400 €, ça peut être un bon investissement. Donc alors d'aujourd'hui, certes c'est une somme, mais c'est une pièce pour ma part qu'il faut avoir dans la collection. Et il ne faut pas avoir peur entre guillemets de mettre le prix, c'est comme ça que vous allez kiffer et vous épanouir au niveau donc, de la chicha. Je sais que c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent, mais j'ai envie de dire chaque passion coûte relativement cher à partir du moment où on est vraiment ancré dedans. Donc au niveau du prix, comme je le dis, voilà, ça reste quand même un budget. Mais pour parler vraiment du gros point positif, ça restera l'esthétique des modèles Wuka qui sont vraiment incroyables, incontournables, en tout cas pour ma part à l'heure d'aujourd'hui dans le monde de la chicha. Et le gros point positif, ça va être donc au niveau du tirage. Le tirage, cette sensation de tirage, ce tirage Wuka qui est vraiment propre à la marque et qui ne ressemble à aucun autre modèle, c'est quelque chose vraiment qui me fait craquer au niveau donc de ce modèle et c'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui je suis fier d'avoir cette pièce dans ma collection. Et au niveau donc des points négatifs, si j'avais quelques petits points négatifs à redire, ce serait au moins qu'ils auraient pu mettre un petit silicone ou un manche compris dans la chicha pour le prix.
Et surtout au niveau du petit défaut que j'ai en tout cas à dire, c'est qu'au niveau de la soupape est assez dure. Je vais vous montrer. Donc la soupape fait l'intégralité de son travail, c'est pas le souci, mais c'est qu'il va vous falloir plusieurs reprises, plusieurs coups de soupape pour vider l'intégralité du vase, alors que s'il pense à faire un système qui est beaucoup plus ouvert, sans faire tomber la bille bien évidemment, ça pourrait être en tout cas beaucoup plus sympa à utiliser, beaucoup plus agréable à purger. Pour les personnes comme moi qui ont vraiment une très grosse habitude et une sale manie de purger à chaque latte, c'est quelque chose qui est assez redondant au niveau de la session. Donc c'est vraiment le seul point négatif que j'aurais donc à dire au niveau de la Shisha Bouka, que ce soit la Ténébrise, que ce soit la Groom, que ce soit les éditions classiques, etc. Pour moi, il faudrait revoir au niveau de la purge, même à ce niveau-là, pourquoi pas essayer de faire une ouverture un peu plus conséquente pour vider plus facilement la fumée tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite review au niveau donc de la Bouka, que ce soit la Ténébrise ou en découverte sur la marque Bouka, vous aura fait découvrir quelques petites choses. Mon objectif premier, c'est pas de forcément présenter que des chichas, c'est aussi et de façon primordiale, c'est de vous présenter et de vous apprendre surtout des nouvelles choses. C'est pour ma part la chose qui est la plus importante. C'est bien de regarder des vidéos de chicha, mais c'est encore mieux si on peut les regarder, kiffer et surtout apprendre des choses. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao la famille.